Bonjour à tous, voilà, ici j'ai un petit tuto pour vous ici. On va travailler la double pédale et on va travailler des groupes de 4 notes. Et ces groupes de 4 notes, on va s'amuser sur une mesure à les déplacer chaque fois d'une double croche. Comme ceci. Voici la feuille. Voilà. Après, le travail peut se faire en plusieurs parties. Donc il peut se faire dans une première partie séparer chaque figure rythmique, donc la première, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez travailler ceci en boucle jusqu'au temps que vous l'avez bien, souplement, d'accord. Après vous passez à la deuxième. La deuxième, ben, on démarre sur la deuxième double croche. Donc on va terminer sur notre caisse claire. Donc comme ceci. Voilà, ainsi de suite, et chaque fois on va décaler, et chaque fois on va voir d'autres figures rythmiques qui vont apparaître, qu'on va mettre en avant. Donc, pourquoi travailler ceci? Ben, déjà, pour vous familiariser avec du vocabulaire, pour pas se dire la double pédale, ça sert pas toujours à démarrer sur le temps et terminer sur le temps. Non, c'est faux, c'est archi faux. Il faut savoir un peu tout jouer, savoir être... savoir surtout donner le change à des rythmiques beaucoup plus complexes que 1, 2, 3, 4 sur le temps, d'accord. Et aussi, ça va assouplir aussi vos chevilles, vos points d'appui sur 4 notes, d'accord. Et essayez bien de lever bien vos jambes et de faire bien travailler vos chevilles en même temps, le mouvement de la jambe et le mouvement de vos chevilles. Essayez de bien travailler à cette vitesse-là, c'est à 120, c'est pas très vite. Donc voilà, moi ça me suffit, hein. Je travaille ça peut-être à 130 parfois, mais pas plus, j'en joue pas tous les jours la double pédale, donc ça me suffit pour faire ce que j'ai à faire. Donc très important, essayez de bien lever vos jambes, bien faire travailler vos chevilles en même temps, pour pas que vous ayez des gestes un peu à l'encontre vos chevilles, à l'encontre de vos jambes, c'est super important de lever en même temps. Voilà, comme ceci. D'accord. Voilà. Donc, rien de plus à dire. Juste amusez-vous. Je laisse la loupe à la fin. Comme ça, si vous avez envie de travailler là-dessus, c'est super agréable. C'est pas compliqué. Ça vous fait pas trop souffrir au début. Donc, comme ça, vous pouvez accélérer tout doucement votre tempo. N'essayez surtout pas de faire ça directement à 160, 180 pour ceux qui font du métal et tous les styles qui vont avec, avec le fait qu'il faut jouer de la double pédale très vite. Allez-y lentement, c'est pas le fait de jouer vite tout de suite qui va faire que vous êtes plus souple, c'est le fait de travailler lentement au début et accélérer tout doucement vos tempos. Voilà, à vous de travailler, moi je vais encore bosser un petit peu, à ce tempo là, je peux encore bosser un petit peu, c'est assez agréable. À bientôt, ciao.